Voici Jamestown, capitale de la région de Virginie. La fenêtre passage en revue en bas de l'écran affiche un onglet « Recrutement » et un onglet « Construction ». Utilisez l'onglet « Recrutement » pour recruter des unités pour vos armées. Vous avez ajouté une unité à la file des recrutements. Cet onglet indique tous les bâtiments existants dans la ville sélectionnée. Passez la souris au-dessus pour voir ce qui peut encore être construit. Cette fenêtre fournit des informations sur la façon dont les effets de bâtiments fonctionnent dans le jeu, ainsi qu'une description détaillée de cette fonction. Certains bâtiments vous permettent d'en construire d'autres, plus modernes. Cela vaut donc la peine de lire tous les renseignements ici et de vérifier. Cette fenêtre vous donne des informations importantes sur un type d'unité particulier. Nombre d'hommes, coût de recrutement et d'entretien, expérience, statistiques, compétences spécifiques et une description détaillée. Une boîte de messages vous informera de la construction finale de ce bâtiment. Vous avez souvent le choix du type de bâtiment à construire. Voici votre armée. La zone en surbrillance représente le périmètre sur lequel votre armée peut se déplacer pendant ce tour. Cliquez droit dans cette zone pour déplacer votre armée vers cet emplacement. Yes. Immediately. More orders. De nouvelles unités ont été recrutées. Cliquez gauche pour sélectionner Jamestown. Any further orders? Cliquez gauche sur l'onglet A. Cliquez gauche sur une carte. Vous pouvez maintenant sortir vos unités de la garnison en cliquant droit sur la carte de la campagne. Awaiting further forwards for crown and country. For crown and country! Sir, your orders? Anything more? Cet onglet indique toutes les unités disponibles pour le recrutement dans la ville sélectionnée. Faites un clic droit sur l'image d'une unité pour voir sa description. Faites un clic gauche sur une unité pour l'ajouter à la liste et cliquez de nouveau dessus pour la supprimer. Le coût de recrutement est affiché en dessous et le temps de recrutement est également affiché dans le coin supérieur gauche. Vous avez établi avec succès des fermes et une pêcherie dans la région de Jamestown. Cette communauté doit maintenant croître et prospérer. C'est donc le moment de se débarrasser des tribus d'autochtones qui représentent encore une menace. Vous devez envoyer une armée pour prendre le village situé au nord-est.
Yes, my lord. Yes, sir. Make ready! March! Waiting for orders. Any further orders? Awaiting further orders. Any further orders? Possible de placer jusqu'à 4 signets de caméra pour pouvoir naviguer entre différents points de la carte. Positionnez le curseur à l'endroit souhaité et appuyez. Quand vous regarderez les fenêtres de l'interface de l'utilisateur, vous remarquerez un bouton avec un point d'interrogation dans le coin supérieur gauche. C'est le bouton d'aide. Cliquez dessus pour obtenir des conseils sur la fenêtre en question. Any further orders? Utilisez la barre d'espace pour accélérer le mouvement de tous les personnages, armées ou marines de guerre, sur la carte du plan de bataille. Pressez de nouveau la barre d'espace pour les faire ralentir. Ready and waiting for orders. Utilisez la touche de retour arrière sur votre clavier pour arrêter le mouvement de vos armées, marines de guerre et agents sur la carte. Si une armée est laissée dans la région d'un autre, elle causera automatiquement des dommages dans le paysage environnant. Cela signifie la destruction de routes, de fermes, de mines, de ports et de ressources naturelles par le pillage. Cela affectera finalement les revenus commerciaux et la croissance démographique si la situation n'est pas maîtrisée. Enfoncez les touches CTRL plus S simultanément pour sauvegarder rapidement le jeu de la carte de la campagne. Enfoncez les touches CTRL plus L pour télécharger la dernière sauvegarde. More orders? Any further orders? Your Majesty. At the ready! Anything more? Your orders? Awaiting further orders. Any further orders? By the left! Ready for march. Order! Your Majesty? Waiting for any further orders? More orders? Des armées trop faibles en nombre pour être opérantes pourraient être détruites si elles étaient attaquées par une force supérieure. Dans ces circonstances, il est prudent de gagner une bataille n'est pas qu'une question de nombre d'unités. L'habileté du commandant et l'équilibre entre les unités sont essentiels. Regardez le rapport de force, la météo et les informations de renfort avant de vous engager. Mais faites attention, si vous êtes attaqué, il sera peut-être impossible d'éviter le combat. Les boutons en bas de cette fenêtre affichent vos options de combat.
Passez la souris dessus pour voir ce que permet chacune. Durant la phase de déploiement, vous pouvez secrètement disposer vos unités à l'intérieur de votre zone de déploiement avant le début de la bataille. Le général ennemi déploiera ses hommes dans la zone opposée. Quand vous êtes prêt à combattre, cliquez sur l'icône épée croisée. Appuyez sur la barre d'espace après avoir donné des ordres, affiche une ombre sur le champ de bataille, correspondant à la future position de vos unités. Utilisez cette option comme consultation quand vous déployez vos forces. La persistance du courage et de la discipline régimentaire d'une unité au cœur de la bataille dépend de son moral, d'une certaine dose de fierté et d'une confiance en ses aptitudes. Tout cela est encouragé par l'entraînement, l'expérience et la présence d'un général stimulant. Le moral est au plus bas lorsque l'unité est largement en sous-nombre ou de gabarit inférieur à celui de l'ennemi. Courir en bas à droite de l'écran peut être utilisé pour faire marcher ou courir les unités sélectionnées. Courir est pratique pour aller rapidement d'un point à un autre, mais le faire trop souvent fatiguera les hommes. Prépare une attaque sur les flancs de votre infanterie déjà engagée dans un combat. Soit vous les retirez, soit vous ajoutez d'autres troupes en renfort. Le pavillon de l'unité clignote, cela signifie que le moral des troupes est chancelant. Ces hommes sont prêts à se retirer du combat pour s'enfuir du champ de bataille. Saisissez cette occasion pour charger leur rang avec la cavalerie ou l'infanterie équipée de baïonnettes. La bataille est terminée quand toutes les troupes d'une armée sont tuées en déroute. Verrouiller les unités sélectionnées en mode mêlée. Les ordres d'attaque qui suivront seront exécutés en combat au corps à corps, jusqu'à ce que vous cliquiez à nouveau sur le bouton mêlée. Les statistiques de bataille sont présentées ici, ainsi qu'un décompte de chacune de vos unités survivantes dans votre armée ou votre marine. Le bouton sir. Sur le côté droit analyse les statistiques. By the left! Yes.
Forward for crown. La capitale de votre région est le point de contrôle principal d'une région. Des soldats peuvent être stationnés à l'intérieur d'une ville pour la protéger en cas d'attaque. En même temps, ils agissent également comme moyen de dissuasion contre toute tendance rebelle parmi la population. Your Majesty. Forward! Ah! Awaiting further orders. Il y a un élan de fierté nationale dans votre région après vos victoires sur le champ de bataille. Chaque fois qu'une bataille est remportée ou un territoire conquis, le peuple soutient la guerre avec plus de passion. Cela est indiqué par l'augmentation de la satisfaction. Une ville sans garnison crée automatiquement des citoyens armés regroupés en gardes de fortune pour préserver l'ordre. Bien qu'ils ne soient pas efficaces pendant une insurrection en tant qu'infanterie légère avec un billet de logement, comme les dragons, les citoyens armés sont capables de gérer les problèmes quotidiens d'ordre public. Ils ne peuvent pas. Comme la population croît faiblement ici, il est recommandé de moderniser les fermes ou de réduire les impôts des classes inférieures. Les plantations coloniales fournissent des biens commerciaux. L'établissement d'une ferme augmentera le nombre d'habitants dans une région. Au fur et à mesure que la population augmente, de nouvelles villes apparaissent, permettant la construction d'une infrastructure de bâtiments pour consolider davantage votre empire. Le blé, le maïs, la planification de vos besoins en construction. Les ports ne font pas que faciliter le commerce avec les contrées lointaines. L'onglet Missions affiche des informations sur les missions en cours ou passées. Consultez cet onglet pour vérifier le temps qu'il vous reste avant la fin ou pour gagner le contrôle d'une ville fortifiée. Une très grande armée ou marine de guerre, étendue sur deux piles d'unités ou plus, risque de ne pas pouvoir se battre en tant que force unique. Une nation peut faire jouer un maximum de 20 unités en même temps sur le champ de bataille. Dans ce cas, des unités supplémentaires arrivent.
après la prise d'une capitale, il est important de laisser une garnison efficace derrière soi pour étouffer l'agitation jusqu'à ce que le niveau de population et tous les bâtiments endommagés soient complètement restaurés. Exemple, la prise de ce village a sensiblement réduit la menace qui pesait sur Jamestown. Pour consolider la présence britannique en Amérique du Nord, vous devez à présent prendre le village indigène restant situé loin au nord. Awaiting orders. Any further orders? Ready and waiting for orders. Cette région ne produit pas suffisamment de nourriture pour nourrir plus de monde. Et déjà certains meurent de faim, d'autres émigrent. Améliorez vos fermes et vos techniques agricoles afin de promouvoir une plus grande croissance ici, à moins bien sûr que vous n'essayiez d'augmenter rapidement vos populations coloniales.